Marie auxiliatrice, confiance totale et abandon en elle. Si tu la suis, tu ne te perds pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu penses à elle, tu ne te trompes pas. Soutenue par elle, tu ne tombes pas. Protégée par elle, tu ne crains rien. Guidée par elle, tu ne te fatigues pas. Avec sa bienveillance, tu y arriveras. Avec ces paroles de Saint Bernard, nous reconnaissons Marie, choisie par Dieu, comme dispensatrice de toutes les grâces. Carissimi, chers amis, la base de la vraie dévotion à Marie se trouve au début de notre foi. Lorsque nous avons reçu la grâce du baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous lui sommes consacrés par le oui de Marie à l'œuvre de Dieu. Se donner à Jésus par les mains de Marie signifie imiter le geste du Père céleste qui nous a donné son Fils, précisément par Marie, et qui continue de dispenser ses grâces par son intermédiaire. Cette consécration à Jésus, à travers Marie, équivaut à remettre nos œuvres entre les mains de Marie, en la reconnaissant comme notre avocate et notre secours auprès de Jésus, notre médiateur. Apprenons de maman Marguerite, qui recommanda à Jean Bosco d'être tout à Marie, en se confiant entièrement à elle. Lorsque nous nous remettons totalement à Marie, en nous dépouillant de tous nos biens et de tous nos soucis, elle répond avec une générosité infinie, en nous donnant bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Cet acte de don de soi à Marie est aussi un exercice de charité envers le prochain, puisque nous constituons Marie dépositaire de tout ce que nous sommes et faisons. C'est une manière de vivre notre vie dans une dépendance et une confiance totale envers elle, conscient qu'en tant qu'auxiliatrice, elle ne nous abandonnera jamais. Un exemple frappant de cette confiance totale en Marie a été donné par Saint Jean-Paul II, dont la devise épiscopale était « Totus tuus », « Tout à toi », indiquant sa consécration totale à Marie. Il a vécu cette relation avec Marie comme une dépendance totale à son égard, sans laquelle il n'aurait rien pu accomplir. Sa vie a été un exemple extraordinaire de la façon dont cette dévotion à Marie peut profondément influencer le cours de l'histoire. Demandons donc à Marie auxiliatrice, notre Mère céleste, de nous accompagner et de nous aider sur notre chemin de foi, afin que nous puissions nous donner à elle avec une grande confiance et un abandon total. Que la paix soit avec vous, la paix et les bénédictions de Dieu. Je m'appelle Al-Ifrad Omar Lincoln, j'ai 22 ans et je suis originaire de la province de Palawan aux Philippines.
Je m'appelle Gebramel Garay, j'ai 20 ans et je viens de la province de Balabac, à Palawan, aux Philippines. J'ai étudié à Don Bosco, TVET, Mandaluyong. Je suis un jeune migrant. J'ai connu Don Bosco parce que j'ai entendu dire que Don Bosco aide les pauvres. Je viens d'une famille pauvre, nous n'avons vraiment pas d'argent pour pouvoir étudier. En province, c'est vraiment difficile. Nous sommes loin de la ville et devons traverser les îles pour nous y rendre. Nous avons du mal à nous déplacer, car nous devons traverser les océans. Quand je suis arrivé chez Don Bosco, j'ai été accueilli à la maison Pinardi. J'ai suivi les cours de formation technique, professionnelle, et j'ai vécu à l'école Don Bosco où se trouve la maison Pinardi. Au début, ce n'était pas facile pour moi à cause de ma religion. Je suis musulman. Nous étions 80 migrants à vivre là-bas, seulement 6 d'entre eux étaient musulmans. En tant que musulmans, nous n'avons jamais été traités différemment des autres. Ils nous ont traités comme des membres de la famille. Ils nous donnent le temps d'accomplir notre salat et de prier. Le père Ravi est toujours là pour nous faire entendre. Vous n'êtes pas séparés de nous, même si nous avons des religions différentes. Nous nous sommes sentis très bien accueillis. Les catholiques se joignent aussi à nous dans notre prière. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à entrer dans leur église. Je me joins à eux pendant le chapelet et je participe aussi à l'adoration. Grâce au chapelet, j'ai appris à mieux connaître Marie Auxiliatrice. Et je lui suis très reconnaissant parce que c'est peut-être grâce à son aide que j'ai été amené ici chez Don Bosco. Je remercie sincèrement tous ceux qui m'ont aidé à réaliser mon rêve, où j'en suis actuellement. Maintenant, je suis diplômé du cours monteur-machiniste. Grâce à Dieu, maintenant je travaille. Et petit à petit, mes rêves se réalisent. L'un de mes rêves est de pouvoir aider mes parents à cause de notre vie difficile. Cela m'a beaucoup aidé lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'électricien général à Don Bosco. Avant, l'un de mes rêves était d'obtenir un diplôme et de trouver un bon emploi. Maintenant, je travaille et j'aide mes parents. Je peux maintenant leur envoyer de l'argent et soutenir financièrement mon petit frère dans ses études. Merci beaucoup, tout d'abord à Don Bosco, où j'ai pu réaliser mes rêves. À tous les Salésiens qui ne se lassent pas de nous aider. À Don Bosco et aux Salésiens qui continuent ce que Don Bosco a commencé. Merci beaucoup. Vierge Marie, Mère de l'Église universelle, secours puissant de ceux qui se confient en toi et vivent le totus tous, tout à toi. Nous tous, qui par le baptême sommes devenus fils et filles en ton Fils, nous te confions entièrement notre vie. Rends-nous capables de comprendre les vertus humaines qui t'ont rendu grande aux yeux de Dieu et fais que nous sachions les imiter. Ne nous abandonne jamais, tendre mère. Aide-nous et accompagne-nous sur le chemin de la foi, parfois ébranlé dans les épreuves de chaque jour. Confiant en ton aide, nous remettons toutes nos œuvres entre tes mains. Sois toujours notre avocate et intercède pour l'humanité auprès du Père. Amen. Thank you.